C'est certain que j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo informative, en fait, sur les infos du jeu GTA V qui sortira le 17 septembre. Donc, c'est bientôt. Tout d'abord, j'envoie cette vidéo à WhatsApp GTA qui upload les vidéos de GTA V, les informations, des gameplays et tout. Ben, pas juste de GTA V, mais tous les jeux de Rockstar. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, allez voir. Je leur envoie cette vidéo tout simplement parce que avec toutes les vidéos de Christo du 6-9, c'est lui qui a cette chaîne communautaire, eh bien j'ai rempli 4 pages d'informations sur le jeu, donc je vais essayer de tout vous les dire. Je vais essayer de me dépêcher, je vais pas trop allonger le sujet parce que voilà, hein, 9 minutes, je crois que c'est le maximum en tout cas. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, premièrement, sur un serveur, sur un multiplayer, on pourra être 16 personnes maximum. Donc, on pourrait être moins, mais voilà. Hein, fait que si vous êtes une team de 10 personnes, eh bien il y aura 6 personnes tout seul. Donc, ça serait un petit peu nul, mais voilà. Ensuite, on pourra personnaliser nos véhicules, je pense que tout le monde le sait. On pourra s'acheter un appartement seulement, on pourra pas en multiplayer, moi je parle, on pourra s'acheter un appartement. Si on veut s'acheter un autre appartement, eh bien il faudra vendre l'appartement qu'on a acheté précédemment. Donc on pourra acheter un garage, je sais plus si on peut en acheter plusieurs, je crois que oui. Ou c'est peut-être en solo, je ne sais plus. Mais on pourra acheter un garage. Il y aura un maximum de véhicules qu'on pourra mettre dans ce garage. Je crois 12 ou un truc du genre. Donc voilà. On pourra appeler un réparateur de voiture n'importe où. Si vous êtes en plein milieu du désert ou je ne sais pas où. Et puis que votre voiture est en train de fumer. Je veux dire, est en train de brûler quasiment. Et bien vous pouvez appeler un réparateur pour qu'il vienne réparer votre véhicule. Donc il va y avoir un prix bien sûr. Hein. Donc il faut juste faire plus attention à nos véhicules. Donc moi je trouve ça assez sympa. Ensuite, on pourra appeler des gens dans le serveur à partir de notre téléphone. Donc sur un multiplayer, on pourra appeler n'importe qui, mais il faudra avoir un micro, hein, c'est webcam, pas webcam, mais Kinect et tout. Donc voilà, c'est assez, assez cool hein, si on veut faire un coup de téléphone, non j'ai gagné. Mais voilà. On pourra s'acheter un masque, je veux dire je sais pas moi, un masque de singe ou. C'est comme j'ai vu des screenshots, c'est comme en tout cas un casque et tout pour pas se faire repérer. Ben en fait on peut se faire repérer si on fait un braquage, on met ça et puis ça enlève une étoile de police. Donc si vous mettez pas ça, ben vous allez avoir plus de police au cul. Donc voilà, c'est assez énorme de le rajout qu'ils ont mis. Je crois qu'il y a en a pas beaucoup, une quinzaine je crois, un truc du genre, mais voilà, c'est pas obligé d'en inventer des centaines hein, c'est juste un masque. Donc voilà, ensuite on promet de l'argent en banque, donc ça c'est quand même assez sympa. Je me demandais qu'est-ce qu'on pourra faire si on se fait tuer et tout en multiplayer. Est-ce que on perd tout notre argent et tout? Je ne sais pas, mais je sais qu'on promet de l'argent en banque. Donc si on tue quelqu'un, ben on pourra prendre son argent. Le montant, on ne sait pas encore. Je crois pas que Rockstar va nous le dévoiler. Mais voilà. En multiplayer, on pourra faire 500 à 700 missions avec nos amis, tout seul ou comme vous voulez. Ensuite, il y aura plusieurs activités, donc je ne les énumérerai pas tous parce que voilà, hein, il y en a plusieurs. Ensuite, on pourra partager notre argent si on fait un braquage et tout en multiplayer. On pourra partager l'argent. Il y aura aussi des fourrières d'automobiles. Donc, c'est quoi ça d'automobile? Ouais, de voitures et tout. En fait, c'est que si vous placez pas votre voiture à un bon endroit et au milieu de la rue, eh bien, la fourrière d'auto ira prendre votre véhicule et l'amènera je ne sais pas où, mais voilà, vous pourrez la récupérer probablement. Donc voilà. Et aussi, il y aura une assurance contre la fourrière. Donc je ne sais pas c'est quoi ça va faire. Mais je crois qu'on pourra pas se faire prendre notre véhicule si on a l'assurance et tout.
On pourra customiser notre personnage, donc ça c'est assez normal. On pourra avoir un travail. Et le but dans le jeu, en fait, sera d'être le plus grand criminel, ben pas du jeu, mais du multiplayer, être le plus grand criminel du serveur, voilà. Donc c'est quand même assez sympa parce que dans GTA 4 on avait pas, on faisait juste s'entretuer, donc là il y a beaucoup plus d'options. Aussi un bouton, mais ça j'ai pas trop compris, un bouton qui permet de crier pour indiquer où nous sommes sur la map. Ben, en fait je sais pas que ça va être, mais si on crie, et bien peut-être que les autres pourront savoir où ce qu'on est, mais ouais, voilà, je sais pas trop c'est quoi. Donc là on est encore à la première page et on est à 5 minutes, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais en tout cas. Et quand on commence sur le jeu, sur le multiplayer, je parle souvent du multiplayer parce que je crois que le multiplayer va plus être populaire, hein, voilà. Donc le multiplayer, quand on va commencer, on n'aura rien. Donc je sais pas avec quoi qu'on va commencer comme linge et tout, je sais pas. Mais voilà, on va le découvrir quand on aura le jeu entre les mains. Donc voilà, on pourra faire un appel pour du soutien aérien. Donc s'il y a un barrage de policiers et tout, on pourra appeler un hélicoptère et puis il pourra détruire ce barrage. Ensuite, une poursuite. Ouais, c'est ça. En fait, dans notre appartement, on pourra avoir des caméras. Donc non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça que je voulais parler. En fait, c'est que dans nos appartements, on va avoir une télé et puis en fait, on va voir les poursuites policières en direct des autres. Hein. C'est voilà, s'il y a d'autres personnes sur le online, et ben on pourra voir leurs poursuites. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Je vais passer beaucoup de temps à la télé. Donc voilà. Ensuite, c'est ça, je voulais en venir, caméra de surveillance à l'appartement ou à la maison. On peut installer des caméras de surveillance. Moi je trouve ça quand même assez sympa parce que voilà, hein, placer des caméras de surveillance et puis il y aura un poste probablement à la télé si on cogne chez nous, ben on pourra voir avec les caméras qui c'est, donc voilà. Ensuite, on pourra faire exploser un avion qui vole dans le ciel, oui voilà. Et puis qu'est-ce que ça va faire? On pourra gagner des armes, des trucs, on va gagner des autos, plein de trucs en fait qu'on pourra voir parce que l'avion va s'échouer. En tout cas, je sais pas comment ça va se faire et tout, mais voilà, on pourra le découvrir quand on aura le jeu. Donc voilà. Et oui, il y a un autre truc, le dernier truc de la page, en fait, je crois que je vais diviser ça en 4 parties, parce que j'ai 4 pages, donc je crois que je vais faire ça. Donc voilà, donc la dernière info de cette vidéo, en fait, c'est que si on parle avec notre micro, notre casque d'écouteur, je sais pas qu'est-ce que ça va être, ou en tout cas, avec notre casque d'écouteur, notre personnage fera les mouvements de bouche, donc ça va être cool, hein. On va parler, et puis notre personnage va faire des mouvements de bouche, donc des fois ça va être bizarre, mais voilà. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner. Et puis, si j'ai été choisi à la What's Up GTA, et bien je vous en remercie. Et puis, si vous voulez voir la suite, et bien elle va sûrement être sur ma chaîne. Et si elle n'est pas là encore, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas sortie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.